m'a profité pour me dire que cyclone, un cyclone Irma qui a passé sous le pays d'Haïti dans l'heure qui a venu là. Son cyclone de catégorie 5. Qui est ce cyclone de catégorie 5 là? Son cyclone pour le moment qu'on a parlé là. Il y a un gros vent avec rafale qui a soufflé à plus de 250 km à l'heure. Qui a avancé très doucement. C'est ça que fait dans la première prévision. Il te prévoit que le tap touché côte pays d'Haïti à partir de demain, jeudi matin. Et information, dernière information a montré que Gele, c'est dans l'après-midi, à soi même dans la nuit de Gele, jeudi pour vendredi, d'après dernière information que nous avons gagné. L'a marché avec un pile l'appui. Tout pays d'Haïti indistinctement a touché. M'a répété. 10 départements pays d'Haïti a touché par cyclone. Même si 5 à 6 départements, il y a 5 départements, m'a dit moitié nord pays. Je voulais parler de nord-est, Fort Liberté, nord-ouest avec la Tibonite. C'est 5 départements sa yo qui vraiment plus sous influence cyclone nan et vraiment cap subi plus de frappe de cyclone nan. Vle alerter population. Chaque grain haïtien haïtienne cap tandem cap gadem que cyclone Irma cap vin sous pays a, c'est un bagay très sérieux. Évidemment gouvernement république là depuis chef l'état, chef gouvernement, avec tout gouvernement, nous solidaires dans le mauvais moment ça, que nous pas le passer ensemble et nous camper à côté population. L'État haïtien prend un ensemble de mesures pour accompagner population dans le cadre passage cyclone Irma. Première disposition qu'il prend hier en Conseil des ministres, nous déclarer, alors président. Chef gouvernement déclaré en vigilance rouge sur tout pays qui est actif depuis le matin. Et c'est dans même disposition qui t'a pris, l'école campée dans 10 départements pays fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, ministre éducation nationale là t'a parlé de mercredi, jeudi, vendredi. Mais nous préférons dire jusqu'à nouvel ordre parce que probablement, nous avons pour probablement dans le week-end, le cyclone a fini de passer sur nous pour nous vérifier l'impact et mesurer tout dégât que il fait sur le pays. Évidemment, sur instruction du président de la République, là, hier, qui était passé dans le bureau de protection civile, là, côté nous, qui était venu avec l'équipe, là, qui était déjà mobilisé depuis plus de 24 heures, le président de la République a nous plusieurs consignes. Et une là, c'est objectif zéro mort. Donc, c'est ça que fait. M'a profité pour me rappeler chaîne de commandement qui parle gagner en réponse à désastre qui parle passer sous pays d'Haïti. Tout d'abord, le président de la République, là, c'est président pays. Là. Bien sûr, nous avons président, nous avons chef gouvernement, premier ministre, là, qui lui-même, d'Adou, c'est chef réponse. Là. Nous avons ministre intérieur, serviteur nous, qui est devant nous, là, qui lui-même, sur le plan opérationnel, a basé avec le directeur de protection civile, là, et c'est ça nous fait depuis hier, pour nous faire opération. Mettre ça, le command center. Li basé dans la résidence officielle Premier ministre. Nan, et c'est l'âme d'Akadou de façon stratégique que tout ministère qui impliqué dans la réponse dans les affaires et Irma qui parle passer sous pays, ya, et ben c'est là command center aye, sous bien sûr obédience Premier ministre pays. Nous-mêmes dans le ministère intérieur collectivité, dans le cadre préparation, prévention, cyclone Irma qui a fini sous pays, ya, depuis la nuit, là, nous déjà diligenté des conteneurs qui allaient préférentiellement
qui gagne manger là-dedans, surtout qui pour aller préférentiellement dans 5 départements que monsieur cité qui va le plus frappé par cyclone Irma. Même si parallèlement tout, gagne l'autre instance tant que BMPAD qui a bail jury préférentiellement gon répartition sur 5 départements ça yo et qui pourra le faire tout dans bureau dans dépôt bureau central nous dans Delma 3. Te gen de kit alimentaire, hygiénique, sanitaire. Te gen pelle, bouette, tol, planche et bois de pacap, etc. que nous te commandé pour nous te stocker au niveau central. De commandes ça te déjà en cours. Alors sur le plan administratif depuis plus que 2 semaines, eh ben yo pral livrer jodi a même dans dépôt central là. Et idéalement pour nous dispatcher autour sous 5 départements qui pral pi toucher yo et si nous gen idéalement tout si nous gen temps pour nous idéalement tout gen temps voyer yo dans reste département dans pays d'Haïti. En termes de disposition accompagnement que n'a ba dans collectivité territoriale yo. Alors n'a parlé de chaîne de commande là. D'abord, on parlait de premier ministre, de ministre et intérieur avec protection civile qui s'est opération qui s'est qui a fait opération. Au niveau départemental, nous gagnons délégué départemental yo, c'est eux même qui numéro 1 dans réponse là dans département yo, dans région yo. À côté directeur technique coordonnateur technique protection civile là. Yo a prend décision ensemble dans nom département. Et c'est eux-mêmes qui ba nous rapport consolidé de terrain qui voyo pour nous nous-mêmes pour nous prendre décision au niveau central. Bien sûr, délégué yo a gè pou travail avec vice-délégué yo. Au niveau communal, c'est magistrat yo qui principal opérateur m'da do mettre question dans ba dans réponse là. Et là encore, gen on responsable communal et protection civile qui à côté magistrat dans prise de décision yo et certainement Kazek Azek ak délégué de ville yo nouveaux élus dans collectivité territoriale qui sont venus yo ministère intérieur à collectivité territoriale bay on allocation cap disponible jodi a même de l'ordre de 300 à 500 000 goudes ça va dépendre de taille à grosseur mairie pour première et phase dans urgence yo. Gen si toutefois il y a besoin gen de côté qui a besoin délocaliser. Si toutefois les moun yo rive dans abri provisoire, yo besoin premier de l'eau, yo besoin manger de bay comme ça pour que magistrat gon minimum de fonds disponible le temps que l'état central là reste secours yo vini au cas échéant. Donc c'est toute disposition ça yo que l'état central là prend pour accompagner et bien sûr excusez-moi je devrais dire tout nous connaît très bien importance collectivité territoriale yo dans affaires désastre d'une façon générale son opportunité pour nous saluer magistrat yo Kazek yo Azek ak délégué de ville yo nous hier nous avons eu chance même dans conseil de gouvernement te gen président Fenam nan qui t'a assisté à conseil de gouvernement et tout de suite après conseil de gouvernement nous t'al chita dans DPC avec quelques Kazek avec président et fédération nationale Kazek avec président fédération nationale Azek pour nous impliquer autour dans bataille là parce que sur le terrain c'est potomitan réponse nan sur le terrain et là encore n'a regardé comment de façon concrète nous ta capable dégager des fonds pour nous ta bail au niveau assemblée Kazek yo direction protection civile là dans toute ça que li gagne comme composante camper avec population pour accompagner devant ces cyclone Irma qui va passer dans pays là m'a réitéré message que ministre intérieur a sauté bail là à savoir que son cyclone de catégorie 5, donc son cyclone qui est sérieux,
impact que li pral gen pral étendu et pral assez lourd, li risque très grave. Donc il est important pour nous vraiment et sensibiliser et mobiliser par rapport à ça que pral fait là. Et certainement protection civile avec support ministère intérieur et avec encadrement tout reste gouvernement a li déjà mobilisé, la continue mobilisation là pour le moment n'a pas accompagné population en termes de sensibilisation et encore n'a dit la presse merci pour rôle que il fait dans aider nous véhiculer message mais n'a dit tout que mais travail a fait commencer parce que là pour le moment n'a fait sensibilisation n'a continué à accompagner population pendant passage cyclone là et n'a là après cyclone là pour nous capable organiser réponse là et coordonner justement action qu'a pour prendre pour venir en aide à population. Et principalement ça que moi t'étais capable moi t'étais voulu et insister sur lui dans intervention dans jodi hein c'est consigne sécurité yo. Et moi pense que là nous dans une situation côté que c'est du sérieux ça qu'a fait là lui quand même et l'a présenté selon toute prévision comme un phénomène météorologique qui assez grave donc là il faut que nous pas plaisanter par rapport à ça qu'a fait là. Premier consigne que m'bra renforcer que m'bra rappeler c'est que tout monde qui était dans zone à risque, tout monde qui était dans zone qui était qu'on habitué gain inondation, tout monde qui était dans zone côtière, fait attention parce que des possibilités que inondation yo fait que de l'eau monter et que limiter nous en danger. Donc consigne là pour le moment c'est dégager nous évacuer. Et ça me les évacuer d'abord là au stade où on a parlé là, on monde capable Jean ministre so dit a yon di lot on moun capable aller ka on famille ka on ami qui nan on zone qui pas à risque et certainement si moun nan pas gen alternative à ce moment-là nous gen on liste abri provisoire qui activé dans différents communes dans pays hein donc on moun capable aller dans mairie commune pour mander liste abri provisoire là pour yo capable orienter vers un abri en façon pour ou pas obligé exposer tête tout dans moment que cyclone Irma pas passé. Une autre consigne important que m'a persisté sur lui, c'est le fait que là déjà Semana et service maritime navigation d'Haïti sorti une note depuis hier pour interdire cabotage, interdire ti bateau prendre en mer parce que là qu'on y a là nous pral gen ça les roule cyclonique là, nous pral gen gros vagues, nous pral gen des vagues là déjà nous gen des vagues pral à 8 10 pieds et le temps que il m'arrivé, vague pral passer à 20 25 pieds et c'est un danger sérieux que lié. Donc tout pêcheur, tout le monde qui a fait cabotage, nous demandons pour yo rester dans le port, pas sortir. Parce que automatiquement, que ou al sorti dans la mer, j'en ai là, ou pral mettre tête en danger et ou pral bail, il va créer un pile problème. Et nous pral continuer avec consigne toujours. L'autre consigne qui est important, c'est que faut moun yo connaît que faut yo prendre précaution par rapport à papier important, papier terre, papier identité, mettez yo nan ti sachet en plastique pour capable isoler ou pour pas prendre de l'eau au cas où justement de l'eau ta monter et que nous ta gagne inondation. Moun ki gen qui dépend de médicaments, par exemple m'a prend moun ki sous tension, moun ki diabétique, dégagez nous gen médicaments nous nan men nous parce que pendant il m'a passé a il m'a pral nous pral sous effet il m'a pendant 24 à 36 heures pendant période ça nous pas ka sorti. Donc nous gen intérêt gen ça pour nous besoin sous la main. Moun ki gen petit bébé, moun ki gen besoin particulier ou bien besoin spéciaux, dégagez nous, faites ça nous capable pour nous capable gagner ça que nous besoin pour nous pas obligé à exposer tête nous pendant que cyclone n'a passé. Et encore pendant que moi dis mot exposer m'a reprendre encore pour me dire population pas exposer tête pour grand merci. Cyclone Irma son réalité, son bagage sérieux que lié, nous pas commencer sentir effet probablement dans nuit mercredi pour début jeudi matin. Pendant journée jeudi on l'a rapproché vers nous et laisse ça libéral vraiment dangereux que moun pour libéral extrêmement important que moun pas sorti pas exposé tête yo. Certainement brigade volontaire protection civile a brûlé tout message ça yo et n'a continué insister beaucoup de population pour que yo capable suivre consigne yo. Ou les messages ça yo l'a fait à travers différents organes là presque nous travaille avec yo. Nous a utilisé autour et les médiums, quand vous téléphonie cellulaire, quand vous radio communautaire et quand vous brigadier volontaire, tout cap marche avec mégaphone pour faire message à passer. Mais nous pensons que l'important que nous pouvons mentionner que yon dit l'autre, l'on moun connaît, parler de ça avec l'autre moun, comme ça, en façon pour tout le monde qui est au courant et tout le monde qui est sensibilisé sur ça que vous faites là. Parce que l'objectif nous c'est idéalement pour nous priver dans une situation côté que nous avons zéro mort, pas de raison pour ne pas faire si yon vous yeux sur l'autre, si yon accompagne l'autre. Dernier consigne que m'a renforcé sous lycée certainement et m'a demandé tout le monde coûter consigne que autorité yo bay et ministre sont décliné qui autorité que yo n'a parlé là au niveau de région délégué c'est eux même qui responsable coordination protection civile dans département yo.
maire yo responsable dans commune yo et kazek avec kazek c'est eux même qui responsable au niveau de localité yo et de quartier yo. Donc lorsque yo sorti en avis, lorsque yo bay un conseil, lorsque yo di moun, lorsque di population font bagay, m'a mandé nous s'il vous plaît suivre ça yo di, hein, parce que yo même yo konn pour ça y a dit ça yo di, hein, c'est précaution que a ba nous pour que nous même nous capable rester en sécurité pendant et passage cyclonique.